Oh, les Ivoiriens, regardez, on ne peut pas commencer une vidéo sans toutefois monter le petit cra. Eh ouais, Agboville est doux, Agboville est doux, Agboville est doux. Et regardez un peu la joie des Ivoiriens. Moi, à travers cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose à l'équipe nationale. C'est vrai, vous avez votre argent, c'est vrai, vous avez tout. Mais vous-même, regardez un peu la joie. Malgré que le Maroc n'est pas le pays qui est la Côte d'Ivoire, regardez la joie. Certains même risquent leur vie. C'est-à-dire que d'autres même ont fait des cabrements moto. D'autres même ont essayé de faire des roucascasses avec la moto pour montrer leur joie, sans toutefois connaître un seul Marocain. Juste pour vous dire que si vous faites ce que nous on a besoin, c'est-à-dire la victoire, alors on fera pire que ça. Famille, aujourd'hui j'ai été heureux de voir mes frères ivoiriens essayer de manifester leur joie, essayer de courir, cabrer leur moto. Certains même ont fait sortir des étincelles au niveau de la route. Mais ma question que je me posais, la seule chose que je demandais aux gens, c'est vrai, on est qualifié grâce au Maroc, que je remercie d'abord au passage, mais qu'est-ce qu'ils vont nous servir? Est-ce que ce qu'ils vont nous servir sera serviable et acceptable? C'est la question. Regardez un peu l'engouement. Je ne suis pas à Abidjan, je suis à Agboville. Pour dire que tout ne se passe pas à Abidjan. Les gens vont dire non, Abidjan, on sait, on connaît. C'est à Yopougon que ça va se passer. Regardez, ici, c'est à Agboville. Regardez un peu. Et là, c'est un jeune qui roulait la moto avec son fils. Et les gens l'ont interpellé pour dire non, mais tu ne peux pas aller avec le petit ou bien la petite. Voilà, un enfant devant. Donc là, les jeunes ont vraiment sauvé la vie de cet enfant. J'ai dit merci. Après, lui, en tant que jeune, il a compris. Voilà, il voulait dire non, c'est mon enfant, mais il a compris que vraiment il était en erreur. Donc il était obligé de s'excuser et il s'est passé. Mais regardez un peu les jeunes. Regardez un peu la jeunesse ivoirienne. Cette joie immense. Et je préférais même voir la jeunesse ivoirienne en train de danser, en train de courir, en train de cabrer les motos, en train de faire pire que ça pour l'équipe nationale. Comment est-ce que vous êtes senti lorsque vous voyez nos vidéos, vous voyez ce qu'on filme? J'ai été ici pour vous montrer, mais voici, c'est moi qui ai filmé. Voilà, pas pour dire non que, voilà, il a téléchargé, non. Pour vous montrer à quel point les Ivoiriens vous aiment. Et regardez, ils prient, mais qu'est-ce que vous allez nous servir? Est-ce que ce qui sera servi sera accepté par les Ivoiriens? Famille, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vraiment, essayons quand même de jouer pour donner un peu le courage aux Ivoiriens. Il faut qu'avec le Sénégal, je sais, il y a Sadio Mané qui est là-bas, mais avec le Sénégal, il faut qu'on puisse quand même marquer, s'il vous plaît. Moi-même, là, c'est pardon, je vous demande. La petite fille au petit cra aussi, elle est toujours dans ma vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on marque. Ça, c'est entre parenthèses pour qu'on puisse, voilà, regarder un peu les Marocains qui ont sauvé. Pour vous dire que les Ivoiriens vous soutiennent toujours. Regardez, c'est là aussi. Pour dire que les Ivoiriens vous soutiennent toujours. Donc arrêtez de dire qu'ils ne nous soutiennent pas. Et nous, regardez que vous ne jouez même pas. Regardez l'engouement au niveau de la ville d'Agouville. Regardez. Regardez. Et merci aux forces de l'ordre qui étaient là, la police. Et ensuite est venue la gendarmerie qui essaye quand même de mettre l'ordre. Mais sachez qu'on ne peut pas mettre de l'ordre dans la joie des. Hein, que les Ivoiriens hein, sont en deux. Tu peux pas. Même le policier a envie de danser. J'ai envie de venir danser. Donc, famille, la seule chose que je veux qu'on retienne ici, c'est que on était humiliés. Aujourd'hui, Dieu fait une grâce. Aujourd'hui, par la prière, par tout ce qu'on a vu, on commence quand même à avancer. Vraiment, il faut que nos joueurs puissent se donner, pour qu'on puisse courir plus que ça, pour qu'on puisse faire exploser la joie au niveau de toutes les villes du Côte d'Ivoire. Il faut que, parce que si le Cameroun et la Côte d'Ivoire ne font plus partie de cette CAN, alors la CAN ne sera pas la CAN qu'on veut. On veut ça. Et merci, j'ai été en direct aujourd'hui. Il y a une Camerounaise ou un Camerounais qui a dit vraiment, il faut que les Ivoiriens soient retenus parce que c'est ça qui donne l'ambiance, donne tout et on a besoin. Les joueurs sciencés, vous êtes millionnaires, vous êtes milliardaires, mais regardez un peu le cœur.
Regardez les petits frères qui courent, d'autres, j'ai vu des enfants. J'ai demandé, mais vous ne partez pas à l'école demain? Monsieur, on s'en va à l'école demain. Mais vous êtes là. Monsieur, on est là pour les Ivoiriens. Regardez. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que vous allez comprendre à travers nos vidéos, nos messages et jouer. Donnez ce que vous pouvez donner. On vous connaît, vous êtes dans les clubs. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. JMCBK.